Bonjour, mon nom est André Vaillancourt, administrateur du Festival Beauceron de l'Érable. Je suis content de vous voir à la 30e édition du Festival Beauceron. Donc, aujourd'hui, on a de belles températures, on a des beaux kiosques sur place. On, de plus en plus, on a des kiosques. On a le kiosque de l'Arbousier avec des produits spécifiques à lui et des mélanges qui sont très reconnus. On a la saucisse de Saint-Zachary par Beauceboeuf qui fait fureur. On a des produits de la ferme Jean-Noël Morin de Saint-Zachary aussi, des sauces barbecue qui sont très appréciés par les pupilles gustatives de nos festivaliers. Évidemment, on a nos poulets de tir aussi qui sont toujours très à la mode et qui attirent la foule. Si vous voulez bien regarder, là, vous allez voir que derrière moi, il y a du monde en masse. En plus, cette année aussi, on a un nouveau manège de Beauce Carnaval qui est le Magic Maze. Donc, c'est un beau manège, les enfants l'apprécient beaucoup. On a évidemment les jeux gonflables, la grande glissade et le flying school qui est apprécié par les tout-petits. On a Super C qui, pour la première année, est à une collaboration avec nous autres et ils font du maquillage pour les enfants et offrent le café gratuitement. Ça aussi, c'est très apprécié. Et évidemment, Équipement La Pierre qui est un de nos partenaires majeurs depuis déjà 4 à 5 ans qui font des crêpes avec au sirop d'érable. Encore là, on sucre le bec de plus en plus. Écoute, je pense que le mot d'ordre, c'est sucrez-vous le bec et on verra après ça pour votre diabète qu'est-ce que ça va se passer. Il ne faut pas oublier qu'on a des beignes du pain maison qui sont faites aussi par un de nos artisans et que c'est très apprécié. Donc, je vous invite à venir écouter. Vous allez les adorer. Fait que je vous invite tous à venir en grand nombre. L'entrée générale est à 5 $ par personne, 20 $ par famille. Venez vous amuser, il fait beau. On est tanné d'être en cabané, bien, lâchez pas, c'est le temps de venir et je pense que votre reporter d'ailleurs va faire un petit tour d'horizon pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a de disponible aujourd'hui pour vous autres aussi. Merci beaucoup.